Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il n'est pas toujours aisé de voir une femme qui nous plaît et d'aller lui parler. Donc dans cette vidéo, tu vas voir que peu importe le nombre de femmes, peu importe l'endroit, peu importe le type de femme, je suis en mesure d'aller parler à ces femmes-là, prendre leur numéro, histoire de tenter de les revoir. Parce que bien évidemment, elles me plaisent. Et je suis sûr que ça ne t'a pas échappé. Le décor a totalement changé. Évidemment, le soleil, la chaleur... On n'est plus en France, on n'est plus en Europe. Donc là, pour un bon moment, je suis au Cameroun, d'accord? Et j'ai prévu vous réserver énormément de surprises, énormément de vidéos, énormément de caméras cachées. Et aussi, quelques micro-trottoirs pour pouvoir cerner, pour pouvoir comprendre la mentalité des Africains. Je vais te souhaiter un très bon visionnage. Et je te laisse un peu contempler la beauté de mon pays d'origine, d'accord? Tu es en train de te moquer de moi, je suis sûr et certain. Tu es en train de te moquer de moi, je suis sûr et certain. Tu es rayonnante. Je te remercie. Tu viens d'où? Tu dirais quoi? Je sais pas. Par contre, tu as deux chances. J'ai deux chances. Ah. Yeah, c'est le mot. Je te rends la chose ici. Tu viens pas du tout des îles? Peut-être pas. Pas du tout. Antilles? Non, oui. Non, je viens pas des Antilles, je viens d'Afrique. Ok. Mais où exactement? Cameroun, you know? Exactement. Tu étais en Afrique? Maghreb, mais c'est pas l'Afrique. Okay. C'est pas l'Afrique noire. Voilà. Je vais te donner un conseil. Si tu descends en Afrique, n'essaye pas de descendre en Afrique noire. Pourquoi? Ouais. Parce que si tu descends, tu n'auras plus envie de revenir. Exactement. Tellement tu vas adorer, tellement tu vas aimer. C'est beau. Voilà. Mais si tu as envie de descendre vraiment pour ne plus avoir envie de revenir, va au Cameroun. Très, c'est très beau pays. Il faut que je te donne plus de tips par rapport au Cameroun. Qu'est-ce que tu en penses? Vas-y, je prends ton contact et je t'enverrai un message. Tu es la tchatche, tu es fort sympathique et tu es beau gosse. Je suis beau gosse. Ouais. Ok, intéressant. Et en tout cas, tu es quelqu'un de très direct et de très avenante. J'aime beaucoup. Mais ta façon d'approcher n'est pas lourde, tu vois, elle est respectueuse. Donc, d'accord. En tous les cas, même si demain on se reparlait pas, j'apprécie en tout cas. Nice. Tu as l'habitude de te faire approcher? Ça arrive de temps en temps. Je l'ai dit, tu es rayonnante, peut-être c'est ça. C'est pas. Vas-y, dis-moi. Mon numéro? Ouais. 06. Ouais, affaire à suivre. Allez, profite bien de ta soirée. Merci. Excuse-moi. Oui. Tu es satisfait du rendu? Non. Non. T'es super nul. T'es si mauvaise photographe que ça? Oui. Pourtant, il y a du potentiel pour avoir de très belles photos. Ah ouais? Ouais. Je confirme. Ok. Je vais vous montrer. Je suis en train de parler de potentiel, de parler de toi. Devant, non? D'accord. C'est quoi? Je vais laisser avant encore se planter avec des photos et tu me montreras ce que ça donne, d'accord? Dis-moi, tu vis à Paris? Oui. Je prends ton numéro. D'accord. 07. Je t'enverrai un message. D'accord. Bonne journée à toi. Excuse-moi. Tu parles français? Non. You don't speak French? No. I saw you before. Okay. And you look like adorable. Where are you coming from? The United States, but I've been living in Madrid. Madrid, okay. Yeah. What are you doing in Paris? Like I said, I'm living in Madrid, so I just wanted to come here and see Paris, see. It is your first time? Yeah. Okay. Enjoy it. When do you go back? Tomorrow I go back to Madrid. Okay. Okay. Yeah. Okay. Because I don't have time today. But if you want, before you go back, yeah, we can take a drink, we can eat together if you want. Okay, well. Okay. Take my your WhatsApp. Yeah. Take my WhatsApp. Okay. Take my WhatsApp. I can. And you sometimes you go outside, you go outside, you make party, you sometimes to take drink at night. Yes. Okay, this is my number. Okay, well, nice to meet you. Me too. Oh, okay. Goodbye. See you. Excuse-moi. Ça va, je t'ai pas effrayé. J'ai peur de t'effrayer. Non, pas du tout. Et j'ai hésité avant de venir te parler. D'accord. En plus. Tu t'appelles? Lovely. Attends, Lovely. Ouais. Ok, je connais Lovely. Ah ouais? Et je crois que c'est la seule que je connais. Okay. Ça fait deux, tu vois. Ça fait deux. Tu veux me dire quelque chose? Ouais. Tu es magnifique. Merci. Tu es de quelle origine? Guadeloupéenne. Je répète. Ah ouais? Pas du tout. Moi, tu aurais dit que je viens aussi. Non, pas du tout.
J'ai l'impression qu'on pourrait passer toute la journée comme ça à discuter. Je sais pas, tu me regardes, tu es très souriante. Pareil. Non, mais je veux savoir ce que tu veux dire. Donc. Ah, d'accord. Ok. Je vais te dire que j'ai envie de parler là. Et que tu aimerais que je sois direct. Ah, et vois ton expression faciale. Merde! C'est pour ça qu'à la base, je voulais d'abord créer une certaine complicité. Tu, ouais. Tu es accueillante. Tu es chaleureuse. Peut-être qu'on te l'a déjà dit. Ouais. Je suis arrivé tout de suite, tu étais très souriant. Oui, si tu avais un petit renseignement, quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Ah, peut-être que j'étais aussi bon dans mon approche, je sais. Peut-être mieux se connaître. Ici, il y a possibilité de te revoir par la suite. Ou encore, on ne sait jamais. Je fête mes 27 ans en août. D'accord. Prends mon numéro. Je prends ça, ton numéro. Oui, comme ça, je préfère te passer peut-être mes réseaux sociaux. Et... Ok. D'accord. Bah, écoute, je prends ton numéro. Tu ne t'envoies pas de message, mais du coup, si je t'envoie un message, tu auras mon numéro. Ouais. Tu fais comme ça. Ouais. Non, j'aimerais que tu m'envoies un message. Bah, on va décider, du coup, là. Ok. Tu as le pouvoir. Dis-moi, 06. 50. Je crois à cette énergie qu'on a partagée, toi et moi. Non, je mais crois tu m'as bien abordé, énergie. Donc. Ok. Si tu as l'occasion de, peut-être de le refaire, je pense que les gens ne vont pas te. Non, non, c'est toi que j'ai envie de refaire. D'accord. Bon, on verra. C'est quel signe astrologique on voit? Gémeaux. Ok, quand je rentre, je regarde Gémeaux et Vierge. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Parce que déjà, nous, on est compatibles à tout. Ok, j'ai une amie qui est vierge. Vous entendez bien? Ah, super. Ah putain, ça fait beaucoup de points que je marque. Hein. Allez, vas-y. Excuse me. I want to know something. Je parle pas anglais. Ah merci, ça me rassure parce que moi aussi je parle pas anglais. Okay. Mais j'aurais eu du mal à penser que tu parlais français. Ah, pourquoi? Tu es parisienne? Non. Ok, tu viens d'où? Belgique. Belgique. Donc là, tu es là pour le week-end que tu as prolongé? Non, même pas. Je pars demain. Ok. Et tu as aimé ton séjour? Oui. Qu'est-ce que tu as détesté? Je règle ça. Rien. J'arrange ça. Donc tu as tout aimé. Je vais te laisser mon numéro, je ne prends pas le tien. Ton numéro du coup? Je vais te laisser mon numéro, je ne prends pas le tien. Et quand tu reviendras, si tu veux, tu m'écriras. Ou je pourrais te faire visiter autre chose que tu n'as pas encore visité à Paris. Et qui, je suis sûr, tu vas adorer. Ah ouais? Ouais. Ou si tu veux, je note le tien. Noter quoi? Dans WhatsApp. Ok, ça va, pas de soucis. Après, je voyage beaucoup aussi. Parce que j'aime bien découvrir, tu vois. Par exemple, j'ai vécu aussi à Antibes, 2 ans, c'est dans le sud. Ouais, j'ai vécu à Antibes. J'ai fait la Belgique parce que j'ai la famille en Belgique, mais je ne suis pas resté longtemps. Donc, je préfère voyager. Et vu que je fais un métier qui me permet de gérer mon programme comme je veux, parce que je suis mon propre patron. Et tu fais quoi comme métier? Je suis coach, coach de soir. Ah. 0489. Et tu rentres demain? Normalement. Ok. Allez, passe une bonne journée. Merci. Excuse-moi. Salut. Quoi? Tu as un style attribué. Tu as un style assez particulier. T'aimes pas faire les choses. T'aimes pas faire les choses comme les autres. Non. Ok. Et c'est pas tes origines de toi. Je suis algérienne kabyle. Ok, ça se voit. Ah bon? Le petit côté algérien. Kabyle, je n'aurais pas. Après, ils disent que les Kabyles aiment bien faire les choses assez particulières. Ouais, ouais, ouais. Oui. Ouais. Ulrich, ça m'entraîne. Hein? Ulrich, je m'appelle. Ulrich. Yeah. C'est pas Kabyle non plus. Non, c'est bon. Tu fais quoi dans la vie? Je suis modèle et peut-être styliste dans une école. Ok. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie alors? L'art. L'art. Tu dessines? Ouais. Quoi? Et tu les as exposés sur ton réseau social, sur Instagram? Ouais, j'ai une story à la une où il y a quelques dessins. Ok. Je vais prendre ton Instagram, dis-moi. Écrit, Ok, de toute façon, on verra, je t'écrirai, je verrai un peu ce que tu fais. Et si tu as le temps, why not? Allez, vas-y. Salut. Il m'a envoyé te dire qu'il ne viendra pas. Et du coup, je le remplace. Ah, d'accord. Tu attends vraiment quelqu'un? Oui, j'attends quelqu'un. Un date? Oui. Troisième question, Tinder? Non. Ok. Là, ça m'arrange mieux. Premier date? Ah, non, on est ensemble. Ça fait longtemps? Ouais. Ouais. Tout à l'heure, qu'elle va t'appeler, tu lui diras qu'il t'a perdu, d'accord? Je savais que tu étais amoureuse. Allez, passe une bonne soirée. Bonne soirée. Je t'ai vu de dos. Je me suis dit, elle doit dégager quelque chose. Ah bon. Et je constate que sur une échelle de 0 à 10, ouais. Ce que tu dégages est au-dessus de 11. Ah, merci. Ta vie, elle est simple. Il faut se faire plaisir. Non, si je ne suis pas dans le qui ne tente rien à rien, je suis dans le... Si tu as envie de dire quelque chose, tu le fais, tu vois. Et tu repars quand? Demain. Ah. Tu sais quoi? On va laisser suite à cette spontanéité. Voilà. Parce que c'est une rencontre à vous, hors du commun. C'est vrai. Tu ne diras pas le contraire. Du coup, tu vas noter
je ne prends pas. Je te laisse noter. Et comme ça, tu auras le choix. Si tu me contactes la prochaine fois que tu viens à Paris. Je suis mariée, j'ai un enfant, je ne peux pas te prendre. Ça tombe bien, j'aime les femmes mariées.